Yes,
Rama Masata la Baba,
Tu n'as pas besoin de comprendre. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14 que celui qui parle la langue comprend parce qu'il dit
Okay. C'est parce que toi, tu vas tout peu comprendre. Et chaque fois que tu reprends une partie, tu ravales, tu bloques, tu vois un peu. On va faire ça, tu dis alléluia, alléluia, tu le laisses aller là-bas. Okay. Tu le laisses aller, ok. Quand ça vient rapide, c'est parce que humainement, tu es plus capable de dire ça aussi vite. Mais tu dois laisser. Okay. Tu dois aller, tu dois dire comme ça vient. D'accord. Mm-hmm. Okay. Qu'est-ce que la langue veut dire? Ce que la langue veut dire, c'est ça. C'est ça le sujet. Amen. C'est bon, on y va. Alléluia, 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 ba 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 ba
Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, toi et moi, on est seuls. Je vais repartir. Alléluia, alléluia. Et tu vas avoir plus de conviction. Et tu dois le faire chaque soir. Ok? Et tu vas le faire plus souvent parce que Dieu va te parler. Amen. La première chose, vois comment tu t'es utilisé dans l'esprit. Tu fais ça dès que tu arrives à la maison. Pas rien, tu fais ça. Quand tu es seul, tu dis Seigneur, je vais reparler. D'accord? C'est très important. Alléluia, alléluia. Alléluia, tu vas voir ça. Des fois, Dieu va te faire parler dans toute la journée, toute la nuit. Tu vas faire comme ça. Tu vas te prier pour toute ta famille intercéder. Tu vas voir comment les chaînes vont briser. Parce que le truc, c'est que si moi je prie pour moi ou si tu pries pour toi, on va toujours demander à Dieu l'argent, le bonheur, les choses qu'on n'a pas nécessairement besoin. Mais si Dieu prie pour toi à ta place, c'est son esprit qui prie, mais il va prier pour ce dont tu as besoin, pour ce dont tu as besoin. Parce qu'il sait ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin n'est pas nécessairement ce que tu penses avoir besoin, mais c'est ce que Dieu sait que tu as besoin. Et c'est pour ça que l'esprit intercède avec des soupirs inexprimables. Yes, alléluia, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus. C'est aussi bizarre. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus. D'abord, parler de autre chose qu'à l'église. C'est ça, c'est ça. Quand juste laisse-toi aller dans l'esprit. Quand tu arrives à la maison, tu vas faire ça tellement. Regarde, quand tu vas faire ça souvent, tu vas voir un moment, ça va être. Alléluia. 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 Alléluia, chante.